Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 4, chers amis. Donc, comme prévu dans le dernier, nous sommes allés à Mass Fusion, pardon, excusez-moi. Et nous avons donc récupéré un appareil. Donc, on va essayer d'aller le rendre directement à l'Institut. Hop, voilà. Grâce au téléporteur qu'ils nous ont fourni. Bon. Le lance-flamme est conçu spécialement pour les combats prolongés et inflige des dégâts d'énergie soutenus. Alors ça, tout est relatif. Renégat à Libertalia était un vrai danger public. Effectivement. Qu'il est de retour au bercail. Est-ce qu'il s'est calmé? Tu saurais me dire? Bon, d'accord. Merci d'avoir ramené ce synthétique. C'était du bon boulot. De rien. Unité synthétique. Vous étiez censé vous présenter. Ah, j'ai déjà vu ce truc-là. Pour maintenance, la nuit dernière. J'exige un rapport détaillé. Je n'ai rien à déclarer, monsieur. Ah merde, c'était j'ai en bas. J'ai effectué mes tâches comme d'habitude. Le docteur Ayo vous a vu utiliser un terminal. Or, vous savez que vous n'êtes pas autorisé à utiliser les terminaux de cette section. Dans les systèmes avancés. Pourquoi pas. Division des systèmes avancés de l'Institut. Ok. Alors, bonjour. Ah oui, il y a la fameuse grande porte au fond. Tant que vous respectez nos règles et notre politique, vous pouvez reprendre le flambeau. Notre technologie doit vous sembler très évoluée par rapport à la surface. J'ai des souvenirs. Ah, je vois que vous avez réussi sans moi. J'avais peur que vous n'en soyez pas capable. Mais apparemment, j'ai eu tort de me faire des cheveux blancs. Je veillerai à ce que l'agitateur soit transmis à qui il faut. Parfait. Il me semble que Père est impatient de vous voir pour vous demander autre chose. Mieux vaut ne pas le faire attendre. Oui, madame. Mass fusion terminée. Hop là. Bon. Je m'attendais à un truc un peu plus balèze, compte tenu de... du bordel. Ah, cloué sur place. Parler à Père. D'accord. J'ai pas compris trop l'image, mais écoutez, c'est pourquoi pas. On a un niveau, donc on va aller le mettre. Alors, le tout c'est de savoir dans quoi on va le mettre. T'en avais pas déjà mis un là-dedans? Marrant ça. J'aurais juré pourtant. Ah oui, non, j'en avais mis un là-dedans. Ah, ça pourrait être intéressant. C'est que ça ferait économiser des munitions. Vous pouvez pas développer dépendance à l'alcool. Les effets de l'alcool sont doublés. Alors, autre chose, on monte de 3. Alors, c'est sous effet de l'alcool. Bon, ça pourrait être intéressant. Alors, j'ai vu main à l'est il y a 2 secondes. Là. Ah, ça pourrait être intéressant ça. Je sais pas. On peut mettre des points là, hein. Ça ferait pas de mal. Votre résistance aux dégâts augmente de 20. Ça peut être intéressant. Ok, allons-y. Où est-il? Dans ce bâtiment. On dirait que les pillards de Libertalia vous ont donné du fil à retordre. Pas de perte d'énergie. Oh, pas plus que ça. D'habitude pour un homme de mon âge. Vous suivez bien le régime dont nous avons convenu? Oui, docteur. Je prends toutes mes pilules. D'accord. Et vous avez pu vous reposer un peu plus? Vous avez encore beaucoup de questions? Je vois. Pas d'autres douleurs ou points sensibles? Non, rien de particulier. Je me sens très bien. Je suis juste vieux. Vous ressentez pas de fatigue? Pas de perte d'énergie? On vient d'entendre tout ça. C'est d'habitude pour un homme de mon âge. Vous suivez bien le régime dont nous avons convenu? Oui, docteur. Je prends toutes mes pilules. D'accord. Et vous avez pu vous reposer un peu plus? Vous avez encore beaucoup de questions? D'accord. Pas d'autres. Il est à poil, le synthétique. Points sensibles? Non, rien de particulier. Je me sens très bien. Vous ressentez pas de fatigue? Oh, mais ça tourne en boucle. D'énergie. Pas plus que d'habitude. Tu voulais me voir? J'ai appris que l'opération de Mass Fusion avait été un succès, malgré l'ingérence de la confrérie de l'acier. C'est fait. Le boulot est fait. C'est ce qui compte. Pour le moment, oui.
mais l'intervention de la confrérie doit être placée dans un contexte plus général, étant donné sa soif insatiable de technologie. Nous sommes certains d'entrer en conflit avec eux à l'avenir. Après tout, nous détenons la technologie la plus avancée du Commonwealth, voire au-delà. Ça va les filles. Vous avez sûrement remarqué que certains de nos membres ont des doutes au sujet de votre loyauté. D'accord. Je n'ai jamais douté de votre dévouement à notre cause, mais en vous en prenant directement à la confrérie, vous avez rassuré certaines personnes. Tu m'étonnes. Je suis fier de vous. Quoi qu'il en soit, la confrérie est un problème à venir, et nous devons nous concentrer sur le présent. D'accord. Mais regardez-moi. Je radote comme le vieillard que je suis. C'est vrai que t'es vieux. Je ne vous ferai pas perdre davantage de temps. On a besoin de vous immédiatement. Sarcastique. Oh, c'est super. J'avais justement peur de m'ennuyer. Très amusant. Mais il s'agit d'une affaire urgente. Cette situation, je le crains, est une conséquence involontaire de vos actes. Quoi ? C'est pas ma faute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que tu veux dire ? Que s'est-il passé ? Eh bien, pendant que vous aidiez le docteur Fillmore, nous avons chargé une autre équipe d'inviter un habitant du Commonwealth à rejoindre l'Institut. Oh là là. Il semblerait qu'il y ait eu un malentendu, car cet individu a appelé au secours. Ah, putain. Et ce sont vos miliciens qui sont intervenus. À ma connaissance, aucun coup de feu n'a été tiré, et j'aimerais que cela reste ainsi. Vous devez vous rendre sur place pour parler à vos miliciens. Insistez pour qu'ils se retirent immédiatement. Le docteur Thompson est là-bas. Il sera votre contact principal. Je sais que vous pouvez résoudre ce problème. Il est primordial que cet individu soit amené le plus rapidement possible à l'Institut. Ils m'écouteront. Je m'arrangerai pour les convaincre de partir. C'est comme si c'était fait. J'ai toute confiance en vous. Bon. Technologie pointe, nous sommes toujours incapables de soigner le rhume banal. Ouais, mais c'est pas un rhume qui va le tuer. Ouais. Fais chier. J'avais pas envie de... J'avais pas envie de... Comment dire ? D'en arriver là, on va dire. J'avais pas envie que ça arrive si vite. Le fort. Juste pour voir, c'est censé être où la mission ? Clouer sur place ? D'accord, ici. Ouais, donc c'est assez loin du fort, du coup de ce côté-là, je peux y aller. On va aller au fort, chers amis, on va aller voir s'il y a des choses... Merde, où est-ce qu'il est ? Là. Hop, le château. Hop. Ouais, ça me fait chier, j'avais pas envie qu'on en arrive si vite sur les... Enfin, je veux dire, on a l'impression que là, à partir du moment où on suit le chemin de l'Institut, on fait des choix vis-à-vis de toutes les factions. Et ça ne m'intéresse pas. Bon, en même temps, là, si je suis pas grillé, par contre... Qui c'est qui a mis de la radio ? Voilà. Hop, on n'entend plus rien. Alors, mauvais conseil, chers amis, d'aller voir la bonne femme. La vieille conne du coin. Ça doit être elle. Maintenant qu'on a récupéré l'arsenal, vous pouvez revenir vous approvisionner ici chaque fois qu'il vous manque quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose maintenant ? Elle m'avait dit que c'est elle qui a le meilleur fusil Gauss. Alors, écoutez, moi ça m'intéresse. Hein. Alors, dernière minute. Oh. Effectivement, il a l'air balèze, je confirme. Oh la vache, le nombre d'armes qu'elle se tape ! Effectivement, elle a un gros fusil Gauss. 3000. Il est amélioré, mais il est pas mal. Hein. Hop, je vais le prendre. De toute façon, ça tombe bien, j'ai de la merde sur moi en quantité de... Voilà, regardez. Hop, 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 hop. Crac, déjà, hop. Voilà, ça fait du bien par où ça passe. Crac, 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 crac. On a déjà récupéré un petit peu. Là, si j'en vends, imaginons... On va en vendre 29.
Crac. Fait du bien par où ça passe. Radoé, on va en vendre 30. Hop, et voilà, on a rattrapé. Là, j'en vends 5. Parfait. Hop, et je te remercie. Alors, est-ce que les munitions repop ici? À tout hasard. Je voudrais juste prendre le mini-nu qui est dessus, en fait. Ça, je prends. Parce qu'elle est ouverte foutre, hein. Ça, je peux vous laisser, j'en ai rien à cirer. Les baseball grenades, on va les garder pour un autre, une autre fois. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'ai eu un doute il y a 2 secondes. Ah oui, d'accord, c'est bon, je sais c'est sur quoi. Ok. Bon. Parfait. Est-ce que t'as quelque chose à me dire? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à me dire ici? Yo. Je veux juste faire un échange. Juste un échange, d'accord. Salut, général. Salut, général. Ouais, ok. Pourquoi pas. Milicien. En fait, personne d'autre y a rien à faire ici, en fait. C'est que ce bordel, en fait. Bonjour. C'était mon bureau à la base, hein. Si t'avais quelque chose à me dire, tu fallait venir me voir, quoi. Enfin bon. Ok. Bah écoutez, s'il n'y a rien à faire d'autre ici, pourquoi pas, hein. Enfin bon, on a une quête bizarre qui était apparue n'importe comment, qui s'appelle Dissidence. J'ai envie de savoir où est-ce que ça se trouve et où est-ce que c'est censé... À l'Institut. Ah bah tiens. Écoutez, on va y aller, on va aller voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a une quête à l'Institut que j'ai pas compris, que j'ai pas faite. S'accroupir améliore la précision et active le mode de furtivité. C'est quel jeu où s'accroupir dans le jeu ne modifiait pas la précision, je m'en rappelle plus. Je savais que le docteur Higgs était mécontent. Mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Docteur Higgs ? Que se passe-t-il ? Hop, bioscience. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il a créé une bestiole ? Le docteur Higgs a toujours été du genre à se plaindre. Ça ne devrait pas me surprendre qu'il en soit arrivé là. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Le docteur Higgs et le docteur Loken ont décidé de contester votre nomination à la tête de l'Institut. Ils ont pris le contrôle des systèmes de sécurité du département de biosciences et coupé notre approvisionnement en nourriture. Ils ont demandé quelque chose ? Ils ont demandé quelque chose ? Pas encore, mais ils voudront sûrement que vous renonciez à votre poste et que... Et que vous quittiez l'Institut, pardon. Excusez-moi, j'ai le doigt qui a glissé. On va y raisonner. Je peux essayer de les raisonner. Je devrais pouvoir vous y aider. Je peux ouvrir le tunnel d'entretien qui mène à la salle d'observation de biosciences. De là, vous devriez pouvoir communiquer avec... Mais j'ai pas envie de tuer les singes. Si vous n'arrivez pas à leur faire entendre raison, cette holobande vous permettra d'accéder aux fonctions de commande du terminal de la salle d'observation. J'y arriverai. Je devrais vous donner plusieurs options, mais essayez d'abord de leur parler. Ne faites usage de la force qu'en dernier recours. Compte sur moi. Vas-y, ouvre. Nous y voilà. Donnez-moi juste quelques instants. Voilà, après, vas-y. C'est ouvert. Merci. Hop. Alors. Mouvement détecté. Curieux. Non. Ah, et j'étais gentil. Les mains en l'air. On se calme. Restez calme. Elle m'a fait vachement mal. Putain. Quand je vois les dégâts que j'ai pris. Intéressant tout ça. Hop, prenons ça. Oh! En fait, j'aurais dû rajouter un point dans le...
dans la comment ce que rendront comme ce que rendent comme comme point de santé les comment les Steam Pack clairement. Ah, je savais bien que j'avais entendu quelque chose. Vous avez évité les gardes. Impressionnant. Ouais, je les ai pas tués, je voulais pas les tuer. Si vous venez pour nous faire changer d'avis, vous perdez votre temps. On peut parler ? On ne pourrait pas en parler. Père a choisi de ne pas informer le conseil d'administration avant de vous nommer à sa place. Et si je suivais son exemple ? Oh, oh, oh ! Donnez-moi une chance. Vous pourriez au moins me laisser une chance. Comment pouvez-vous espérer nous diriger alors que vous ne savez quasiment rien de ce qu'on fait ? Je suis sûr que vous voulez bien faire. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas à votre portée. Gardez l'esprit ouvert. Bien que oui, peut-être bien que non. Tout ce que je vous demande, c'est de garder une certaine ouverture d'esprit. Désolé, mais notre décision est prise. Le docteur Loken et moi restons sur nos positions. Laissez-moi une chance. Vous pourriez au moins me laisser une chance, non ? Une chance ? Qu'est-ce que vous en pensez, Max ? Même le chercheur le plus méticuleux qui soit doit parfois faire acte de foi. Donnons-lui une chance. Bon, quoi ? C'est si simple que ça ? Ouvrez la porte et rentrons au bercail. Synthétique, annulez l'ordre prioritaire et reprenez vos fonctions normales. Avant de rengainer, je veux absolument... Est-ce qu'on peut m'ouvrir la porte ? Oh ! Est-ce qu'on peut m'ouvrir la porte ? Alors je vérifie vu que j'ai pas eu accès à cette zone avant, je pense. Oh, deux steampacks, génial. Vu tous ceux que j'ai dû bouffer à cause d'eux. Voilà. Est-ce que je peux ouvrir la porte ? Merci. Alors. Les mecs. Je vais rengainer. Franchement, je pensais que ce serait le docteur Lee ou le docteur Holdren qui succéderait à Père. Oh ! Subis des dégâts. On se calme ! J'ai été gentil ! Merde ! Putain ! Fait chier ça ! Où est-ce qu'il est ? Ah, oh, il est sorti. Il s'est barré, ce con. Bon, je voulais pas buter les synthétiques, mais de toute façon, à partir du moment où j'aurais rangé mes armes, il se serait devenu violent. Bravo. J'avoue que je redoutais le pire, mais je n'aurais pas dû vous sous-estimer. Vous redoutiez le pire ? Vous avez merdé. J'ai l'habitude. J'ai commencé à avoir l'habitude. Toutes mes excuses. Je ne douterai plus jamais de vous. Oh, c'est gentil. J'ai une dernière chose à voir avec vous. Vous vous en doutez, il va falloir prendre des mesures disciplinaires. À vous de voir lesquelles. Les exécuter. Je leur ai demandé de me laisser une chance, du coup, ils ont accepté. Il n'y aura pas de sanction. C'est par le, de par leur fait à eux qu'ils ont choisi de me laisser une chance. Donc, j'aurais juste demandé de leur laisser, donc à eux de le faire. Inutile de faire traîner ça en longueur. Je pense qu'ils ont compris la leçon. La compassion et l'indulgence dont vous faites preuve vous honorent. Je vais récupérer cette holobande. Je tenais aussi à vous offrir quelque chose afin de vous exprimer ma gratitude. Je sais que votre travail vous entraîne souvent à la surface, où les provisions peuvent manquer. J'ai rassemblé ces objets pour vous. Je pense que vous les trouverez utiles. Oh, mais t'es gentil. De la drogue. Ah, le con. Ah, il m'a donné de la drogue. Oh, le con. Ah, il m'a donné des radaways quand même. Cool. Bon, eh ben c'est pas trop mal. Tout ça pour de la drogue. Cette mission. What? Ok. Ok, ok. Bon, pourquoi pas. Y a-t-il autre chose? Oh. Je me rappelais pas. Wow. C'est marrant, je l'ai pas faite celle-là. Bon, dis donc, j'ai raté ça. La vache. Je vais vraiment être mauvais. Hein.
Bon. Ils sont à la cantine. Oh, je passe derrière. Y'a un robot. Y'a un robot. Bon, bref. On va peut-être se téléporter ailleurs. Genre, j'ai pas envie d'aller faire l'émission tout de suite. J'ai l'impression que ça va extrêmement vite d'un seul coup. Tiens, là par là, là on a rien fait de par là. Jamaica Plain, on va aller au sud-est. Voilà, c'est dit. Sud-est de Jamaica Plain. On va suivre la route. Et on verra bien. Bon. Quelles conditions de rester dans les bonnes grâces de l'Institut? Bah oui, bien sûr. Le modèle pompe et le protecteur minimum cryogénique. Oui, bah, je me doute, oui, c'est pour éteindre les incendies. Alors, cependant, maintenant, toute armure assistée devrait être détruite rapidement. Et je sais que dans le coin, il y en avait. Donc maintenant, on fait attention, chers amis. Bon, on va voir la cabane au fond du jardin. Elle soulage bien des besoins. Alors. Par contre, on a peut-être pas choisi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a un truc qui est tombé. C'est parce que j'ai marché dans la boue que ça a fait ce bruit. Hey Einstein, qu'est-ce que... radiations, faut bouger. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est ce truc-là qui a lâché des radiations. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bizarre. Il y a du poisson mort aussi, c'est dégueulasse. Neponset Park. Wow. Ah, j'ai pas de... Qui c'est qui m'a tiré une grenade sur la gueule? Il a creusé ou il est mort? Il est mort. Échantillon de sang viable. Ok, bon, bah, du côté là, ça se passe pas trop mal. Putain, ça pue le poisson mort par là. Autant se peindre une putain sur la tronche tant qu'on y est. Mais oui, mais attends. Une minute. T'as entendu quelque chose? Ah putain. C'est moi qui récupère le matos. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ça me dérange pas, mais... C'est quoi ce bruit? Ah la vache, c'est ce putain de singe. Hop. C'est de la merde ces putains de... Bon déjà il me faut des cocktails molotov parce que j'ai besoin de... De pas m'emmerder avec ces... J'en ai plus. Bon bah carbonisateur. Non. Bah non justement non. C'est l'insecticide qu'il me faut. Hop. Alors. Bon et tu me laisses passer merci. Il y a encore des œufs là-bas. Porte déverrouillée avancée. Voilà, tu vois quand tu veux. Joli. Ok. Circus Performer, d'accord, si tu veux. Terminal personnel, j'imagine que c'est de l'histoire. Bon, allons voir. Entrée, le calme avant la tempête. Remerciement, chapitre 1. D'accord, il a pas écrit les autres chapitres. Ok, c'est un écrivain qui était venu là. Pourquoi pas? Wow! Vise les parties exposées! Vise les parties exposées! Tu me donnes des idées, mais c'est pas ce que j'avais en tête, disons. Par contre, t'es pas très efficace, hein, il te manque des... Bon, faut que tu me diras, j'en ai loupé 3 balles. Merde, on commençait à peine à se marrer. Oh, tout de suite. Je suis pas là pour rigoler, moi. Putain. Bon, j'ai vu un nid.
On va éradiquer le nid. Oula, il y a un bidon, mais ça va pas être un bidon dangereux. Voilà. Hop. Pam pam parabam pam 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 parabam pam 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 parabapapapap. Parabapapapap. Bah pourquoi je pense à Ghostbusters quand je fais ça? Vous n'avez rien vu? Pam pam parabam pam 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 parabam pam 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 parabapapap. Oh, t'en vois là, toi. Ok. Je sais pas ce que c'est que ton endroit, mais on dirait une espèce de ville. Wow. Ah, il y a du monde qui m'aime pas au-dessus. Bah écoutez, j'en ai rien à foutre qui m'aime pas. Je suis où? Parce que sur la carte, j'ai un truc qui me... Ah oui, University Point. Exact. Bon bah écoutez, on va suivre la route. Hop. Qui nous mène dans de l'eau. Génial. C'était un campement de pillards, j'imagine. Si j'étais toi, je boirais pas une goutte de ce truc. Ouais, si j'étais moi, j'irais pas nager dedans, mais... je ne suis pas moi. De quoi? Qui? Rien, non. Laisse tomber. Hein? On va s'éclater. Aïe. Putain. Oh, je l'ai pas vu venir celle-là. Mais tu vas crever, oui. Oh, j'ai tout raté. Eh, mais tu as crevé. Laisse ta jambe. What? Pourquoi j'ai été repoussé d'un seul coup? Qu'est-ce que... T'es où? Je suis en train de causer, mais tu fais rien. Je prends ton masque. Et t'avais pas de... Ouais. Aïe. Qu'est-ce que ça fait de se faire réclamer par une fille? C'est quoi ce bordel? Bouge-toi, le pion! C'est tout! Putain, elle est solide celle-là! Allez, tu vas laisser tes jambes m'apprendre. Hop! Ok, on va reprendre le. Quelqu'un nous suit. Mais non. Ok. Scutter. Wow. Prends ça. Fais gaffe. Oh la vache, il est solide celui-là. Merci de bien vouloir crever. Ok. Pia. Oh, et vous savez quoi? Il est trop loin, on va se faire plaisir. Ah oui, c'est vrai. Oh, merde. Je l'aurais pas eu, tu vois. Ah, ça a bien réduit la portée. Hein. Ah, c'est chiant. Là, c'est pas une question de croire que je suis balèze, là. C'est parce que là, je le suis forcément, mais... Voilà, problème résolu pour 7 points d'XP. Oui, c'est pas grave, oh, c'est bon. Steak, je prends le steak. Poche de sang. Foufoufou. Salaud. Ah bah il a déjà été activé ce machin là, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Rien. Bonjour. Ça fait mal? Alors, normalement, on avait un mec par là, avec un nom. Scutter, voilà. Il avait rien de bien plus intéressant sur lui, d'ailleurs. Super comme idée.
Bah pourquoi pas? Suitcase novice. Hop. Ça y est. Mouais. Tout ça pour Pas mal. J'aurais quand même deux ou trois trucs à t'apprendre si t'as le temps. Oh, eh, tu vas te calmer. Reduce failing damage. C'est des fois que je passe un fail en fait. Grognac le barbare. Oh, ouais. Ouais. J'aurais pas été jusque dire. Oh ouais. Mais pourquoi pas. Hop, on évite de sauter de là, ce serait cool. Ok. Bon. Pourquoi pas. Qu'est-ce que t'as trouvé de par là? Ah oui, d'accord. Ok, bon. Il y a un cadavre dans le truc, c'est pas grave. Faites comme si j'avais rien dit. Et mis à part tout ça, c'était quoi cette ville? C'était quoi ce truc? C'était quoi ce bordel aussi, tiens. Ah, puis la nuit tombe, tout est là pour me faire chier. Il y a un lit en haut, j'ai vu. Ah oui, mais il y a un truc en bas aussi, faut aller vérifier en bas d'abord. Hop. Putain. Aïe. Je suis pas assez attentif, hein. Je ne suis pas assez attentif. Et il se met à flotter en plus, génial. C'est la fête. Ok, donc on va plutôt aller sur le lit en haut. Hein. Kate, tu viens? On va sur le lit. Oh. Alors. Un matelas. Il est 6h, bah écoute, on va dormir 12h. Hop. Crac. Pour être encore plus en forme. Hop. Crac. Voilà. C'est une bonne chose de fait, chers amis. Bon. Une minute. Je crois qu'il faut qu'on parle. Ah bah écoute, je t'écoute. J'écoute. Toujours le temps pour toi, j'écoute. Vas-y, je t'écoute. Va falloir que tu fasses preuve de patience parce que c'est pas facile à dire et je veux pas me planter. Oh là. Bon. Par où je commence? Tu sais que j'ai passé 3 ans à la fosse. Ouais. Ils ont à me faire tabasser par un tas de losers et de psychopathes. Donc tu te fais que tabasser, ça me dérange combat, pas. Je crachais mon sang. Je recousais mes plaies et je prenais 2 ou 3 doses de psycho pour tenir le coup. Ah, ça va, tranquille. C'est horrible. Je détestais le public. Je détestais les autres combattants. Je me détestais moi-même. Mm-hmm. J'avais jamais compris pourquoi je m'étais infligé ça. Jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que j'étais seule. Et je crois qu'au fond, je voulais mourir. Eh bah putain. Je voulais qu'un de ces types me bute. C'était mon ticket de sortie de ce monde merdique. Ah, oh, tu n'es plus seul. Je comprends. Je comprends. J'arrive pas à parler clairement. J'ai jamais été douée pour ce genre de truc. Ma vie, c'est la loose complète. Tu sais tout ce que j'ai traversé et tu sais que je le peux encore maintenant. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'était vraiment, vraiment la merde de mettre un flingue sur la tempe. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai jamais appuyé sur la détente. Je pensais peut-être que j'avais encore une chance de trouver quelques miettes d'humanité dans ce monde. T'es tout humide en plus, c'est génial. Tu as fait pour moi dans l'abri 95. C'est comme si mes prières avaient été exaucées. Ah, tu priais avant, d'accord. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait confiance à quelqu'un sans que ça me revienne en pleine gueule. T'inquiète pas, ça va t'arriver en pleine gueule. C'est nul pour exprimer mes sentiments. Tu t'en sors bien. Tu veux une minute? On va essayer le tu veux une minute. Tu veux une minute pour t'éclaircir les idées? Je comprendrai, tu sais. Non, il faut que ça sorte. T'inquiète pas. Oh non. On a passé pas mal de temps ensemble. Et je commence à réaliser à quel point tu... Oh. Je parle pas juste de me protéger dans une baston ou de me payer un verre. C'est plus que ça. Avant de te rencontrer, j'étais toujours sur la défensive avec tout le monde. J'osais jamais baisser ma garde. Mais avec toi, j'ai l'impression que je peux m'ouvrir et te montrer ce que je suis vraiment. C'est pas forcément joli à voir, mais bon. Il y a des rasoirs pour ça. Je peux pas revenir en arrière et faire comme si tout ce qu'on a vécu avait pas existé. Je peux pas. Mais j'aimerais juste que tu me regardes droit dans les yeux et que tu me... Oh. Ma meilleure amie. Oh putain. Ouais, mais j'ai pas fait chier. Oh bah écoute, on est là pour coucher avec, hein. Évidemment. Oh non. Attends, tu quoi? T'as dit... Oh pfff. Je savais pas. Enfin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose entre nous, mais... Bon bah pourquoi pas, allez hop. Pourquoi? Qui pourrait tomber amoureux d'une épave comme moi? Oh, c'est pas comme ça que je l'avais vu. Courtiser, je m'attendais que ça allait être un peu plus long.
J'ai fait une erreur. Excuse-moi, je me suis trompé de mot. On est deux épaves. Allez hop, ça c'est parti. Entre nous, je suis pas mal non plus comme épave. On va bien ensemble. Ça c'est clair. C'est bien la première fois que je joue carte sur table et que je repars pas la queue entre les jambes. T'inquiète pas, ça va arriver. Ouais. Ça signifie pour moi d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie. Oh, c'est mignon. Ça à fond. Oh, poussée d'adrénaline, c'est quoi? Ça fait pas de mal de jeter un œil. Et puis elle se barre. Ok. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Poussée d'adrénaline. Est-ce que ça va être marqué là-dedans? Ouais. Grâce à votre relation avec Kate, les points d'action se régénèrent plus rapidement si votre recette affaire à 25%. Oh, bon, c'est pas utile, quoi. Ok, génial. Bon, pourquoi pas. Bon, bah je suis en couple. J'ai trouvé un filon. Étreinte amoureuse, j'ai pas le temps de voir, mais ça avait l'air marrant. Bon bah écoute, c'est dommage qu'on se soit couché juste avant. Eh bah écoutez les amis, on va se laisser sur cette relation complètement bizarre avec Kate que nous allons bientôt avoir, chers amis. Poum 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 poum. Hop. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, d'en faire ce lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode, mais aussi dans la bannière vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et hop.